Nous prenons la parole de Dieu. Let's take God's words. Dans le livre d'Ecclésiaste. In Ecclesiastes book. Et dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste. Old Testament. Le chapitre 5. Chapter 5. Du verset 3. Verse 3. Au verset 4. From verse 3. Nous sommes dans un moment de prière. Le 21 jour de jeûne. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'achèvement. Et c'était vraiment important pour nous de déclencher un moment. C'est un moment propice pour le moment de longue jeûne. Et le jeûne de 21 jours, c'est un jeûne qui fait fléchir les forces du mal. Le jeûne de 21 jours, ça fait forcément tomber les forteresses. On a vu dans la parole de Dieu, Daniel. Il a lui aussi fait un jeûne. 21 jours, au moment où il priait, le diable a résisté. Et après les 21 jours, le diable était obligé de céder. Donc le jeûne de 3 semaines, au milieu 21 jours, est vraiment important pour chaque chrétien. Et surtout pour le monde de Dieu. Frère, par moment, nous ne prenons pas nos vies pour prier au Seigneur. C'est ça que le diable prend le dessus sur nos vies. Amen. Alléluia. Alléluia. Un moment donné de notre vie chrétienne, nous devons gêner. Un moment donné, les gens sont venus voir d'ici Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste, ils ont dit à Jésus. They said to Jesus, nous nous gênons. We are fasting. Pendant que nous gênons tes disciples morts, while fasting, et puis pendant que l'épouse est là, l'époux ne peut pas gérer. C'est quand l'épouse sera levée que les amis Jésus est parti. Et les disciples ont commencé à jeûner. Ce n'est pas nouveau pour les chrétiens. Le jeûne, ce n'est pas nouveau. Jésus lui-même, il a fait un jeûne de 40 jours. Il a commencé 40 jours. Dieu lui l'était, mais il a jeûné avant de commencer son ministère. Et Jésus, à un moment donné, il a envoyé un possédé, un enfant, qui avait l'esprit de l'épilepsie. Les disciples ont chassé le démon. Very bad spirit. Et ça n'a pas marché. Ils ont approché Jésus. Et Jésus a dit, telle sorte de démon. Telle sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des démons. Tant que vous ne jeûnez pas, je n'ai pas, ils ne vont pas partir. Voilà, donc c'est le moment important. Donc le mois d'août, c'est un mois pour que ça dénonge jeûne. Surtout les gens de l'Église. Amen. Bientôt le mois de septembre. Nous allons voir, n'est-ce pas, le 9e mois de l'année. Et vous savez que le chiffre 9, c'est le chiffre du fondement. C'est important de connaître les chiffres. C'est important qu'on vous enseigne un peu tout ça. Tout ça, c'est important. Dieu travaille avec les chiffres. Amen. Il est trois fois éternel. Vous voyez, alléluia. Il y a 12 tribus d'Israël. Jésus, il vient comme un disciple. Il y a des choses que vous devez savoir. Alléluia. Nous allons maintenant travailler sur les mois, parce que bientôt la fin d'année. Voilà. Nous allons aborder les mois les plus dangereux de l'année. À partir de septembre, novembre et décembre, nous avons 4 mois pour atteindre la nouvelle année. Or, nous sommes dans le mois de l'achèvement. C'est pour ça qu'il est vraiment important de préparer les choses qui arrivent. Sois bien saisi. Tout se prépare. Everything is je vais voyager, je prépare mon voyage. I like to travel, I have to prepare my travel. Rien ne s'improvise. Nothing is done. Tout se prépare. Alléluia. Nous devons préparer la nouvelle année. Il y a une prophétie donnée sur nos vies. Nous n'avons pas encore eu leur accomplissement. Il nous reste bientôt 4 mois. Only 4 months. Pourquoi croiser les bras? Why? Nous devons nous révolter dans la prière. C'est là que nous sommes révoltés. Il faut que les choses s'accomplissent dans notre vie. Il y avait une promesse faite sur Israël. Et puis à un moment donné, avec la désobéissance, ils se sont retrouvés dans un pays étranger. Il y avait un temps bien déterminé pour la délivrance. Et quand cette époque est passée, le peuple était encore esclave.
The people were spread. Mais ainsi que Daniel, and Daniel est monté sur la montagne, came, il a commencé à demander pardon à Dieu forgiving the Lord pour ses péchés for his sins, et les péchés de ses parents. And c'est après ce moment de jeûne que Israël a été délivré. Vous savez, il y a souvent des choses qui ne viennent pas forcément de nous. Je vais la petite expliquer pendant ce moment de jeûne. Les choses que nous avons hérité des parents. Voilà, donc il faut la prière de jeûne pour régler tout ça. Amen. C'est cela que chacun d'entre nous a décidé. That's why all of us. La vie chrétienne, frère, la vie chrétienne, il y a des gens qui viennent à l'église. Some people come to church. Parce que because ses parents allaient à l'église. The parent went to mon papa allait à l'église, ma maman allait à l'église. My father went to church, used to go to church. My father used to go to church. So if I don't go to church, my son is not going to. C'est des religieux. They are religious. Tout ce qui est la spiritualité, everything with the spirituality, ça ne les intéresse pas. Mais ils vont à l'église, ils aiment aller à l'église. Ils aiment le Seigneur. Mais il n'y a qu'une transformation dans la vie. Or, ce n'est pas aller à l'église. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait pour Jesus? Aujourd'hui, on a envie de voir Jésus-Christ à l'église. Jesus. Il faut que tu sois un témoignage vivant à la gloire de Dieu. Life testimony in the glory of God. Tu as eu BTS en célibat. You have, maintenant, tu as master en célibat. You have master. Tu es en train de pleurer. Parce que c'est normal. Now you pray. C'est pas normal. Normal. Tu fais quoi? Not. What are you doing? Il faut se révolter. Dans la prière. In si vous êtes assis, Dieu ne fera rien. If you're down, je suis désolé. No, really. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Look at me. Oh, I will react. L'expression invoquée. But invocating. L'expression invoquée. And that expression, invocation de Dieu. En arabe, ça dit, c'est dans la détresse que tu cries. And the pity, and then you et quand pray. Les gens invoquaient Dieu à cette époque, ils mettaient la sang sur leur corps, c'était un deuil. Parce qu'ils n'acceptaient pas cette vie-là. Because I didn't have accepted. Et il y a combien de fois le diable t'a imposé une vie. Look, how the devil is imposing ta vie est bizarre. On voit toujours Dieu statu quo, rien ne change dans ta vie. The same step. L'argent m'a peur de rentrer dans ta poche. Even money is afraid to enter your pockets. On a même peur de dire bonjour. People are afraid to. Quand tu salues quelqu'un, il est maudit à même. Bring some money, it's cursed. Quand tu amènes chez les gens, ils ont tous les problèmes. Le courant se coupe. They have all the troubles. Le congélateur en panne. The fridge is broken. Il y a des gens comme ça. Yes. We have some this kind of people. Rien ne bouge. Nothing works. On ne vit qu'une seule fois. On only live one time. Et en Jésus, Jesus, on est condamné à réussir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. D'autres disent non, je suis sauvé, les choses la terre m'intéressent. Mais c'est un mensonge. Frère. You're avant d'aller dans le ciel, tu es d'abord sur la terre. Si tu n'as pas possédé les choses de la terre, tu n'as pas pensé posséder les choses du ciel. Je suis désolé. À un moment donné, les disciples ont dit à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? What en te suivant. Nous gagnons quoi? Et celui qui va quitter ses parents, ses amis, friends, pour le royaume des cieux, kingdom, gagnera d'abord sur la terre, des maisons, la richesse, la persécution, et après le royaume des cieux. Donc Dieu, son Dieu, c'est toute cette prospérité. C'est cela que l'Égypte dit. La pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un être humain. Quand tu as Dieu dans ta vie, c'est la prospérité. C'est tout. Prospère. Les choses bougent. Quand tu veux avoir Dieu qui est si grand, c'est puissant qui est. Et puis c'est toi qui as tous les malheurs de la terre. Ce n'est pas un don spirituel. Les gens pensent que être pauvre, c'est un don. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Amen. L'apôtre Paul dit, j'aimerais que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Dieu, c'est la prospérité. C'est ça qu'il y a en Israël. Quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, la personne doit prospérer. Jésus-Christ à la croix dit, tout est accompli. Everything is accomplished. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Tout est accompli. Everything is accomplished.
Jésus a dit, frère, Jésus a dit, la maladie à la croix. Amen. Pour que en lui nous soyons guéris. So that we can be healed. Amen. C'est vrai, j'ai expliqué. I was explaining. Dans mes derniers enseignements, j'ai dit, le salut, Dieu donne ça gratuitement. God is giving life. Et c'est par la foi que nous recevons le salut. From faith. Jean 3, le verset 16. Dieu aime le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous avons cru en Jésus. Et nous, depuis lors, nous avons la vie éternelle en nous. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au-delà de cette histoire de être enfant de Dieu et avoir le salut, notre âme fait partie de cette histoire. L'âme, parce que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps, mais son âme peut être brigandée par une malédiction. Tu as sauvé, tu es chrétien, mais tu es lié quelque part par une malédiction. Et quand même dans le Seigneur, alléluia, Dieu lui donne la vie comme l'a fait pour Lazare. Il a dit, Lazare sort du tombeau. Lazare sort. Mais là, tout ici, Dieu lui donne la vie. God has given life. Sur ça, il disait dans la communication, j'ai dit, nous venons dans le Seigneur tel que nous sommes. On n'est pas chrétien. Well, you know. On devient chrétien. But become Christian. Mais avant d'être chrétien, nous avons des familles. We have some families. De toute façon, on arrive à hériter une maison, de l'argent, des parents, des familles. C'est comme ça qu'on hérite une malédiction. This is the way we can inherit. Et on vient tout ça dans le Seigneur. And we have it. Quand quelque personne est délivrée, ça se sent dans sa vie chaque jour. We feel it in his life. On espère, tout bouge. Quand ça ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème sur le plan spirituel. Parce que c'est la spirituelle qui fait le physique. C'est vrai que nous avons décrété un moment de jeûne pour que les choses se règlent. Pour que les choses se règlent. Si tu veux jouer ta vie, il y a l'espace principal. Il y a les gens sur leur vie. Ils ont fini par se familiariser à la pauvreté. Yes. Ou à une malédiction. Ils disent, nous c'est comme ça, dans nos familles, c'est comme in ça. Our family, this is, ça ne va pas changer, c'est comme ça. Nothing is gonna change. On est né comme ça. Yeah, we're born like that. On est tout est possible avec everything. Amen. Is possible. La Bible dit, quand on reçoit Jésus, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, avec toutes choses devenues. Oui, il faut que les choses changent. Avec Jésus, c'est un changement. Ta vie sociale doit changer. Oui, ta vie spirituelle doit changer. Et le changement, c'est ton entourage. Il faut que ton âme témoigne que quelque chose fascinant dans ta vie. Happening in your life. Si ton entourage ne témoigne pas, toi tu dois te délivrer. On ne peut pas voir Jésus et être la même personne. Je suis désolé. Quand on a Jésus, on doit rendre témoignage de la transformation de notre vie, du changement de notre vie. Il y a des choses qui doivent changer. Les choses doivent changer. Parce que nous sommes les fils du royaume. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les fils du royaume. Amen. C'est nous qui vivons dans la terre. We must be on earth. Nous ne vivons pas de la queue. But not on the king. Souvent, il y a des gens qui sont des grosses queues. Il y a des gens qui disent, lui là c'est que des varans. Varan a sa queue chitante. Quand il passe près de toi, tu es maudit en même temps. Il y a des gens, tous ils sont derniers. Partout sont derniers. Ils ne sont jamais, c'est eux. Never. Partout c'est eux. On doit renvoyer les gens du service. C'est ton nom en tête. C'est toi d'abord. Tant qu'on ne t'a pas renvoyé, la société ne bouge pas. C'est quand tu renvoies maintenant la société, maintenant, marche. Now, oh, tu pries. Tu parles à l'âne. Arrête ça. Stop this. Faut arrêter ta comédie. Stop it. C'est pas Jésus-Christ, c'est pas le feu. C'est piment ou bien? Is it better? Les gens veulent voir ta vie. People
de la grandeur, il faut que les choses changent. Si vous voulez que les gens vous suivent à l'église, tant que la vie ne changera pas, ton témoignage ne sera pas vivant. Quand tu vas parler de Jésus, ça ne sera pas voyant. Les gens veulent voir les changements. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Change in your life. Jésus est merveilleux, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est ce qui permettra aux gens de te goûter. C'est ça qui ta vie doit être témoignage. Et tu dois pleurer. And you must cry. Devant le Seigneur pour ça. Tu dis, tu dois dire au Seigneur, en quoi mon nom est glorifié? Si je suis dans cette situation, en quoi ton nom est glorifié? Is your name great? Si on m'annonce un cancer, en quoi toi ton nom est glorifié? In which extent is to be extent? Parce que tu es mort et tu as vécu le cancer. The way of the cross, you overcome the sickness. Si je meurs célibataire, mon femme, on ne me donne pas les bisous les soirs. If I don't have children, que je meurs migraine, if I die with addicts, en quoi ton nom est glorifié? Is your name glorified? Alléluia. Il n'y a pas mariage dans le ciel. We don't have wedding. Si dans le ciel tu suis ta femme, tu vois un homme qui te chauffe. Tu arrêtes. God will be. Je possède, monsieur. You possessed. Sur la terre, on fait tout ça. We do it on earth. Là-bas, n'aura pas ni femme, ni homme. The husband. Là-bas, n'aura ni shawarma, ni sauce graine, tutu, banane, non. Come on, sir. C'est juste cette terre. On earth, we have it. Tu dois te marier sur cette terre. Amen. Amen. Acheter une voiture ne doit pas être un mystère pour toi. Car, les gens, ça les effraie. Moi, je peux avoir voiture, moi. Ça quitte où? Arrête de voir ça. In the dream, I can see it. Mais en quoi? L'or et l'argent partent à ton Dieu. Les païens construisent maisons. The pagan build houses and have cars. But why don't you? La voiture, c'est une nécessité. Yeah, having the cards and the avoir. Things that you should have. Ça glorifie le nom du Seigneur. This is glorifying the name of the Lord. Le nom de Dieu est glorifié. Je suis un mendiant professionnel. Les gens sont mendiants professionnels. Some people are ils attendent les périodes pour faire demander le Western Union. Ils créent des problèmes. Non, il y a un problème. Puis quelqu'un envoie Western Union. Nos parents d'Europe la souffrent trop. My parents from Europe are suffering too much for that. Eux-mêmes, ils savent quand la dollar est montée. They know that dollars is hard. Ceux qui sont là-bas, ils ne savent pas. But they don't know. À peu près, le dollar, là, c'est monté maintenant. Hein. Si tu n'envoies pas, the dollar is now high. Dans quelques jours, ça va descendre. Il travaille pour toi ou bien. Is the guy working for you? Ah, ma soeur en Europe, hein. My sister is in Europe. Tu fais des scènes, non. En quoi? C'est you're busting yourself. Europe, c'est quoi? What's Europe? C'est quoi? Être en Europe, ça veut dire être aux États-Unis, au Canada, States, nous on trouve ça trop, il est là-bas, mais il peut faire. Et puis quoi? What else? Ça change quoi? Ça fait quoi? What does it change? Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais? Pourquoi tu dépends des gens? À ton âge, là, tu dépends encore des gens. Tu trouves ça normal? Tu es encore dans la maison de tes parents. You're in your parents' house. Ok. Et tu fais des enfants là. And you're having kids. Et tu luttes, ris. Clou de riz gratin. Recoucher ma tête avec les enfants. Et tu veux qu'on te respecte. Frère, c'est un art. Si so vous vivez encore dans la maison de vos parents, Dieu ne va jamais vous bénir. Never bless. Ça, c'est une révélation que je vous donne. Dieu a toujours béni ceux qui quittent. Tu serais guéri. L'homme quittera son père et sa mère. Les blancs ont compris. À un moment donné, à 18 ans, tu dois partir te chercher. Moi, on n'est pas lui misclé, on est là, avec les neveux. Et le riz couché un peu pour moi. Tu vas dormir un peu. Ne touchez pas ça, c'est pour moi. Ah, le tonton a pris. Il y a un sorcier qui n'est en pas en famille. Il faut qu'il ose matin. Ces mollets-là sont bien poilus. Et le riz couché pour lui. Mais tu penses que tu peux être béni? You think that you can be les parents te nourrissent encore. Your parents are feeding you. 30 ans après, tu es encore dans la maison de ta femme, c'est pas. Mais c'est une malédiction. It is a curse. Qu'on investit. When you invest. C'est pour reproduire. T'as dit quelque chose, c'est investissement.
dit Abraham, quitte la maison de ton père, quitte et va dans un lieu que moi redirige. Quitte. Quand Dieu voulait bénir Joseph, Dieu l'éloignait de sa famille pour le bénir. Toi, tu es encore dans ta maison de tes parents. Tu penses que Dieu va te bénir là? Dieu a toujours béni ceux qui ont quitté. Il ne faut pas avoir peur de partir. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est dans ta vie. Il faut oser partir. Parce qu'il est dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu qui couvre les portes. Tant que tu seras toi dans cette maison, familial, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la démonstration de God's miracle. Oser tout abandonner d'ailleurs. Abraham, c'était son père, était riche. Tu as dit de quitter. Parce que le papa d'Abraham était un grand féticheur. Lisez la parole, l'histoire d'Abraham. Il dit, quitte, laisse tout. Everything and go. Amen. Il n'était pas obligé de lutter les résultats de votre papa, de votre famille, vous-même. À partir de vous, quelque chose vous se produit. Amen. Amen. Quand il y a un enfant qui est venu voir son papa, il dit papa, the kid, see his father, I see you suffering too much. On dirait que tu vas mourir. They thought you were about to die. Je vais donner mon héritage. Je vais donner mon héritage. Instead of thinking about his death. Papa, tu tousses trop depuis la nuit là. Tu tousses seulement. Est-ce que l'héritage, ma part là, c'est quoi? Well, is the part c'est pas dans son sens. Tu n'as pas forcément besoin d'héritage d'un parent. We don't even need the heritage. On est là, on attend la mort des parents pour pas l'héritage. And then we're still waiting for our parents to have the heritage. This mentality must come out. On ne peut pas faire d'effort. On attend que d'autres meurent. Some do not try. Et c'est ça. So he's waiting for other people to die. Donne raison à la sorcellerie. This is on attend que notre frère, petit frère meurt. On va brigander sa femme pour prendre le champ. Et cette sorcellerie familiale là, qui agit beaucoup. This family witchcraft. C'est des choses que nous devons combattre. We must fight this kind of thing. Un bien mal acquis ne profite jamais. Very bad thing that you receive. Ça ne profite jamais. C'est la parole de Dieu. You cannot profit. Un mal thing that you receive. Un bien mal acquis, ça ne va jamais te profiter. Very bad thing that you get. Donc, à un moment donné, il faut partir. Depuis, tu ne bouges pas. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te retient. But you don't move. It means il y a quelque chose qui te retient. Tu es dans une prison. What do you do? It's like in a jail. Façon, il y a une prison physique. Il y a aussi des prisons spirituelles. We have a spiritual jail. Les gens ils voyagent, toi tu voyages jamais. People are traveling, but you never travel. Ils vont arriver. They go and come back, but still. Et même c'est for the same position. Il y a quoi? C'est ce que vous voyez. Bon, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. C'est-à-dire toi-même, tu t'es familiarisé à la situation. Donc, tu as fini par accepter. Non, il ne faut pas accepter. Amen. Le jour où tu n'accepteras pas la situation, tu verras Dieu te transformer. Il faut te révolter. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la prière. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la prière. This is what we are doing in the prayer. Quels sont ceux qui sont révoltés ce matin? Quels sont ceux qui sont révoltés? Je ne vois pas tous les mains en l'air. Alléluia. Amen. Nous avons parlé. We have talked of heirs. De la malédiction héréditaire. That we get from et la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Heirs without cause. Et on a dit l'origine de la malédiction. The origin. Dans Exode, le chapitre 20, à partir du verset 3, from verse 3, Dieu dit, that says, on lit la parole de Dieu. Let's read God's words. On va juste faire une petite révision. Let's make on peut toucher le sujet. Revision. Exode 20 à partir du verset 3, s'il vous plaît. Exode chapitre 20 à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Très bien. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Mm-hmm.
Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Très bien, vous avez compris? Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ni des représentations des choses qui sont en haut, sur la terre, sous la terre. Tu ne feras pas d'image taillée. Quel parent africain qui n'a jamais adoré? Dans quelle famille il n'y a pas eu d'idolâtrie? Nos parents sont tous, nos ancêtres, tous des idolâtres. Ils ont adoré des rivières, ils ont adoré, n'est-ce pas, des arbres, ils ont adoré pas mal de choses. Or, Dieu dit, quand une famille a pratiqué ça, c'est l'iniquité. Et c'est l'iniquité, là, ce péché unique là, Dieu punit ça sur les enfants. De la troisième jusqu'à la quatrième génération. Et une génération fait 25 ans. Et quatre générations, c'est un siècle. C'est-à-dire quatre, c'est-à-dire un siècle. Voilà. 100 ans. Vous comprenez? Donc nos problèmes peuvent venir de loin. Parce que les parents adoraient les marques. Parce que les parents adoraient de l'eau. Ils ont dit, l'eau, tu es mon Dieu. C'est une abomination de mon Dieu. Ah, tu es notre Dieu. Masque, tu es notre Dieu. Toutes fois qu'ils ont fait, c'est les enfants qui vont payer. C'est ce qu'on appelle les dettes spirituelles. C'est une malédiction. Sauf cela que, souvent, il y a des familles où les gens sont bizarres. Ça dépend de ce qu'ils ont fait, des pactes avec le diable. Et la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc on a commencé à parler. Si ça a des causes, et ça a des effets, s'il y a des causes, on essaie d'expliquer les formes de malédiction. Pour que la malédiction soit révoquée, il faut l'identifier. Voilà. Donc on a commencé à parler des différentes formes de malédiction, telles que la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. On a expliqué la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est constamment dans les besoins. Dans les 1 million, il aura toujours besoin d'argent encore. Vous comprenez? Qui est constamment dans les besoins. Celui qui est riche, il est comblé de bien. Il veut manger, il mange. Tout ce qu'il veut avoir, il a ça. Il a même un petit salaire, il peut même bien gérer ça. Or, il y a des gens qui ont un salaire de 5 millions, ils ne peuvent pas gérer. L'argent, ça va comme ça. Jésus-Christ, dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'en lui soyons enrichis. La pauvreté n'est pas un don. La pauvreté, ce n'est pas l'état d'être un homme humble. La pauvreté crée l'humiliation. Quand tu es pauvre, tu es constamment humilié. Quand tu es pauvre, tu n'as pas de valeur. Quand ta famille est pauvre, les gens m'ont peur d'aller avoir une femme là-bas. Ils m'ont dit, mon fils, c'est là-bas d'aller prendre une femme. Tu ne sais pas que la pauvreté là, ça se contamine. Amen. Nos parents vont là. Il paraît que nos parents vont là. Et ils regardent bien pour moi de Paris. Hein. C'est nous aujourd'hui, on croit à tout ça. Et ils regardent d'abord. Avant d'épouser la personne. Laissez là, laissez ce qui se passe dehors. Toi-même, va gérer ça. Laisse la dame écouter la parole de Dieu. Elle est trop concentrée en train d'écouter. Toi-même, va gérer ce qui se passe dehors. Elle doit être radiquée dans notre vie. En quoi c'est bon la pauvreté? À votre avis, en quoi c'est bon? Hein? Non, tu es pauvre. C'est un non. C'est un témoignage. C'est même pas bon. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est cela qu'on doit délivrer de cette malédiction. C'est une malédiction. On a besoin de ça pour vivre. Non, on voyage sans l'argent. Si on peut payer nos billets d'avion. On a besoin de voitures pour aller manger. En quoi la pauvreté est bien? S'il n'y a pas l'argent, comment on peut construire une maison de Dieu? Pourquoi? Vous avez demandé quelqu'un qui est pauvre qui évolue? Have you ever seen someone who is poor? C'est quand tu as l'argent que tu évolues. Donc c'est les choses qu'ils ne vont pas accepter. So we do not have to accept. Parce que quand tu es dans notre vie, c'est pour nous faire endosser. Mais pourquoi tu es pauvre? But why are you poor? C'est une malédiction. It is a curse. Amen.
C'est une malédiction. Il faut te révolter contre cette malédiction. Parce que si tu meurs, tes enfants vont hériter de ça. On hérite de la malédiction. C'est ça que la plupart des gens ne font pas. Ils font tout pour éradiquer la pauvreté de la famille. Pour ne pas que les enfants soient pauvres. Amen. Que Dieu nous aide. La pauvreté est une malédiction. Jésus-Christ a délivré la pauvreté. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 9. C'est ça que je vous appelle à l'entrepreneuriat. Un chrétien doit entreprendre. Même si tu as un salaire, tu dois mettre des business à côté pour avoir de l'argent. Je vais vous expliquer, je vous parlais de, avec même piment, bec d'oiseau, on peut avoir 10 millions par hectare. 5 millions, 10 millions par hectare. Je ne comprends pas pourquoi avoir de l'argent. On a des parfums là-bas. On veut devenir instituteur. Or, salaire d'instituteur, c'est 180 000 francs, 150 000. Or, le parfum peut te rapporter chaque 3 mois, si tu fais comme ça fait 5 millions à l'État. 5 millions, 3 millions, 3 mois. 3 millions. Le supermarché vient prendre ça. Toi, tu vas attendre. On dit il est fonctionnaire. Et tu as combien? 150 000 francs par mois. Or, chaque 3 mois, tu peux avoir 3 millions. Parce que tu es en train de faire concombre. Vous comprenez? C'est ça que je suis d'accord que pour le succès, c'est l'agriculture. C'est la terre, là, ça ne trompe pas. L'or se trouve dans la terre. Le pétrole se trouve dans la terre. Ne négligez pas la terre. Le salaire ne suffit pas. Pourquoi un salaire d'un million? Ça ne va pas suffire. Il faut entreprendre. Nous laissons tout aux gens et c'est eux qui dirigent tout. Toutes les banques appartiennent aux francs-maçons. Parce que nous, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut. Mon nom est écrit. Nous, on est tous en haut, là-bas, là-haut. On n'est pas en bas. Là-haut. On veut partir là-haut. La Nouvelle Jérusalem, et moi, je vais y aller. Tu veux partir à Jérusalem? Je vais y aller. Je vais y aller. Tout le monde chante, c'est ça. Satan qui me réti, Satan qui me réti, je vais ici, tu es là. Satan qui me réti, j'ai entendu cette chanson là. Je vais manger, tu es là. Je vais dormir, tu es là. Satan qui me réti. Il veut te manger. J'ai dit bien. Comment Satan lui te suit? Je vais dormir, tu es là. Je vais manger, tu es là. Satan, que me dit-tu? Il va te manger. Des sages chansons vaincues. Satan ne peut pas être là. Où est l'enfant de Dieu? Non, il ne peut pas être là parce que tu es dans l'onction. De Dieu, mais quand tu vas venir dans ta présence, voilà, tu lui demandes, Satan, qui m'aimais-tu? Faut lui demander. Alléluia. Amen. Nous devons refléter l'image de Dieu. Oui. Faut pas laisser tout au païen. Nous avons tout laissé à la franc-maçonnerie. Ce sont ceux qui dirigent les banques. Toutes les grosses banques que vous voyez, c'est les francs-maçons qui les dirigent. Parce qu'on nous enseignait que non, il faut laisser tout ça, en cas de pauvre, on va au ciel, vous n'allez pas bien, un pauvre qui est honnête. Quand tu es pauvre, tu es malhonnête. Pour attacher foulard, tu ne mets pas bout de tu es une chip, on dirait les cheveux que les femmes canèvent, que quelqu'un a su dans les champs, au Brésil là-bas. Parce qu'un homme même pour qu'il t'aborde, c'est pas un péché, il va d'abord te convoiter. C'est pas péché. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a prié et puis la femme est venue devant sa porte. Le frère Christ, comme tu as prié, le Seigneur dit, mais voici, ta prière est exaucée.
And so my prayer is becoming true. Qui est malade aujourd'hui pour voir nyené celui à la maison? Amen. Amen. C'est la vérité, je ne vous dis. Donnez-vous une chance. C'est-à-dire, Dieu est là pour créer les conditions de chance. Vous attachez les cheveux. Il y a des gens qui ont dit non, il ne faut pas l'approcher. C'est le pasteur qui va parler à la fiancée. Attends. Dégagez là. The lady first. La femme que toi tu as mariée, faut pas qu'elle ne voit pas. Non, tu la connais pas là. Tu vois là, tu la docou dans le foyer. Mais c'est grave, vous allez commencer. Il faut être en contact avec elle. Après, faut discuter avec vous, les gens. Arrêtez-vous, nous sommes des êtres humains. Non, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des hommes. Pourquoi on s'est blagué ici? Dans vos histoires de foulard, vous attachez. So, vous n'avez jamais. And you never take it out. C'est ça qui va te rendre une. Quoi? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Bien joli. Les gars. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une vision. Le Seigneur donne la vision en même temps. Le Seigneur envoie un flash. Il déchire même. Tu as vu? Ma fille. Ah! Il voulait bien dit. Seigneur, je suis convaincu maintenant. Avant, j'ai douté maintenant. Je suis convaincu. Alléluia. Amen. Rendez-vous propre, ça fait quoi? Again, rendez-vous propre, ça va créer des conditions de chance. This can create conditions. Les gars, ils parlent. Oh. Tu penses qu'il y a odeur de bouche? Yeah. Ça te donne une visite. This can give you a sickness. Très préalable, 25. Yeah, Dieu merci. Close up. Tu vas faire 25 pour nous. 25. Nous avons envie de laisser tout les cuidants, mais écoutez, on n'est pas moins là, on ne fait pas comme les saints. Il y a le contact, la communication. Le brosse, ça fait quoi? C'est pour la nuit la main qui est bonne. Les gens ne se brossent pas le soir, c'est pour le matin. Non, c'est la nuit là qui est bonne. Tu as mangé beaucoup, brosse quoi la nuit? Tout ça, c'est bon. Tu vas venir poser un monsieur qui a envie de toi, pour changer de voiture. Je fais voir, c'est les poissons pourris. Ceux qui ne connaissent pas, vous avez besoin de demander des poissons, je vais les composer. Notre maman, notre maman, Mémie, là, elle prend ça, c'est qu'elle prend pour les bâtiments qui manger. Quand elle fait ça, elle reste tranquille, la sauce. Adieu, bon, tout ça. Amen. Donc, il faut te brosser. Même un frère, habillez-vous bien, brossez-vous très bien. Tout ça, c'est important. Ça peut nourrir l'espoir dans le cœur de la sœur. Mais tu es comme ça, c'est dit, mais est-ce qu'elle est l'avenir? Monsieur, oui, ma mère. It's disturbing. Est-ce qu'elle est l'avenir? Philippe, can I have a c'est à cause de vous, les gens portent ton costume. Moi, c'est la première fois qu'il y a travail. Oh, c'est trafic, il y a rien de. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment important. So it's important. Il faut que la malédiction de pauvreté soit révoquée sur nos vies. Poverty, curse. Et il y a aussi le célibat. Le célibat qui est toujours une malédiction. Which is a curse. Le célibat est une malédiction. So is a curse. Il faut que Dieu nous délivre de tout ça. Le célibat est une malédiction. On a parlé aussi de l'échec, de la mort prématurée, qui est une malédiction. On a parlé aussi de non. Qui peut produire une malédiction sur ton pays. Aujourd'hui, même le nom du village de ton père et de ta mère peut t'apporter une malédiction. Nous allons toucher quelque chose que souvent les chrétiens même négligent. Ecclésiastes chapitre 5, le verset 3 à 4. 3 à 4. Nous allons toucher ça. Amen. Ecclésiaste, le chapitre 5, du verset 3 au 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne t'attends pas
à l'accomplir. Ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne plus faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. D'autres versions. Quelqu'un version français courant. Il y a d'autres versions. On vient de lire le second. J'ai lu le second. Il y a d'autres versions. Il y a parole de vie. Qui là? On va voir un peu. Vous allez bien comprendre. Est-ce qu'on suit? Il y a moins souvent une malédiction sur nous. Curse our wives. Amen. Amen. Chacun d'entre nous doit avoir en hébreu le Nouveau Testament en grec. Voilà. Donc pour la comprendre, il faut la traduire d'abord en anglais. C'est à partir de l'anglais maintenant qu'on a traduit en français. Donc comprenez, il y a plein de choses qui ont été déduites. Nous qui avons appris la théologie, un peu de grec, un peu de l'araméen, un peu de l'hébreu. Donc il y a plein de mots qui sont un peu dilués. Comme on disait, c'est vrai qu'on dit Jésus, mais en hébreu, quand vous étudiez le mot hébreu, hein, la lettre J n'est juste pas. Donc il y a plein de choses, je n'ai pas envie de vous mélanger, mais pour dire, il faut étudier la parole de Dieu pour mieux comprendre. Et c'est quand j'étudie la parole de Dieu, quand j'étudie la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas charpentier. Il était un ingénieur en bâtiment. Voilà, voici une erreur grave. Il faut que les gens rectifient ça. Quand on vous dit de rectifier ça, il faut qu'il rectifie. Il était ingénieur en bâtiment. Il construisait une maison. Ce n'était pas un charpentier. Il faut que les gens rectifient ça. Il construisait des maisons, il n'était pas charpentier. C'est des erreurs que les gens commettent souvent dans les dits. Allons-y. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3 au 4. Version parole de vie. Si tu fais une promesse. Très bien. À Dieu, pourquoi j'ai voulu la version parole de vie? Ça nous permet de mieux comprendre. Vous comprenez? Voici la parole de vie. Voici la version parole de vie. Allons-y. Oui. Il va finir la parole de vie. Si tu fais une promesse à Dieu. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite. Tiens-la vite. Car Dieu n'aime pas les sots. Dieu n'aime pas les insensés, c'est la même chose. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Très bien. Amen. Amen. Tu peux me dire l'anglais. When a man can vow to God, do not delay in fulfilling it. For he has no pleasure in fulfilling what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not fulfill it. Très bien. On m'a dit, tu parles le bon anglais. Tous ceux qui m'ont dit ça. Ouais. Et ça, j'apprécie, on dit, ton interprète, mets-le tout froid, parce que souvent quand tu parles, on écoute, nous qui sommes à New York. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Voilà, donc regardez un peu dans Ecclésias, vous savez. Yes, frère, on dit, malheur soit celui qui fait un vœu et qui n'arrive pas à l'accomplir. Comment sont ceux qui prennent des promesses? How many people? Je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose et qu'ils ne le font pas. That's on dit, vaut mieux te taire. Parce que si tu fais une promesse à Dieu et que tu ne l'accomplis pas, tu vas payer ça. Si tu n'as pas payé, tes enfants paieront. C'est des petites choses que nous négligeons. Mais qui agit sur nous. Fais une promesse. Combien de fois les gens sont prêts à parler? Je vais faire telle chose dans l'église. Je vais faire telle chose à un homme de Dieu. Je vais faire telle chose. J'ai envie de faire telle chose. Et on ne respecte pas. C'est sur ça que le diable se bat souvent. Pour attaquer vos finances. Parce qu'il voit une faille. Le diable. C'est nous qui lui donnons par moment raison. Combien de promesses tu as fait sans tenir les promesses? Il y a des gens qui font beaucoup de promesses. On ne t'a pas forcé. Maintenant, si tu fais une promesse, il faut la tenir. Il faut accomplir cette promesse.
tu l'accomplis pas. Tu ne vas voir, ne dis pas pardon, Seigneur Dieu. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il ne t'a pas voulu. Donc, par moment, ça tire une malédiction sur nous et sur nos affaires. Nous allons nous tenir debout. Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Let's pray the Lord.